faites comme une sorte d'écho, mais opposé. Il y a l'autre salle, salle 2, et là, en fait, ça parle aussi comme toutes les pièces sur la condition humaine, mais comme ici, dans la première salle, il y avait plus le cri, la lutte contre cette situation, cette nature, dans la deuxième salle, il y a plus un silence, c'est plus doux, ça a l'air en tout cas plus doux quand tu le vois de première approche, mais ça parle plus du acceptation de la situation. On montre des toiles où il y a vraiment la souffrance, est là, et elle est très concrète. Et on l'accepte, on ne lutte plus contre, on la montre. Et c'est au spectateur d'assumer aussi cette douleur. C'est vrai qu'Hélène dit, ça c'est l'endroit où tu trouves la silence. Et c'est déjà visible depuis qu'on rentre. On doit descendre l'escalier, mais au balcon, tu regardes dans l'espace et tu vois un très grand silence à cause de la pièce d'Actéon. Je trouve que c'est comme un corps qui est allongé sur le socle. Et c'est très visible d'ici, déjà. Mais j'aime bien aussi la liaison entre les femmes avec des couronnes d'épines dans leur bouche. Pour moi, Actéon devient aussi comme une couronne d'épines que j'ai fait avant dans des autres sculptures. Mais celui-là, pour moi, il est très tranquille comparé avec celui ici qui lutte encore. Et celui-là, il est vraiment accepté son lot. Mais il est bien soigné aussi parce que tu vois aussi la même manière que j'ai fait des bandages autour des branches, autour du bois du cerf. Mais le silence dans l'œuvre est aussi visible. Dans la manière que j'ai déposé la sculpture sur un socle, le socle en bois, le bois qui est presque pourri. Mmh. Et ça, c'est une chose très importante pour moi aussi. Ça devient de quelque part, ça devient d'une autre histoire. Et c'est le même aspect que j'aime bien dans des draps, des anciens draps ou des anciennes couvertures que nous, on connaît parce que ça devient part de nous. Tout le monde se coucher sur une oreille ou des draps, ce sont des matériaux très connus pour nous. Et de revoir ces matériaux dans une sculpture, je pense que c'est une très belle entrée dans mon travail.